Salut tout le monde, c'est Nosband qui vous parle. Et c'est juste le 7ème foutu jeu que j'essaye d'enregistrer aujourd'hui. Donc on va jouer à The Box, un jeu d'horreur indépendant, avec une description dans un anglais tellement approximatif que j'ai pas réussi à la comprendre. Tout ce que je sais, c'est que c'est un peu comme Slender, qu'il y a un truc qui nous poursuit et qu'il faut récupérer 15 boîtes. Pourquoi un chiffre random comme 15 ? J'en sais rien. Mais aussi pour Slender, pourquoi un chiffre random comme 8 ? Ça non plus, on sait pas. Mais bref, start game. This is your nightmare, the box will explode into peace. You need to collect all the box. D'accord. Ok. Ben, collectons all the box. C'est un peu un labyrinthe. What the fuck? Ah! Ah! Putain, c'est quoi ça? Bordel! Mais c'est que ça me court après en plus, mais va te faire foutre! Ouais, ouais, c'est ça. Random Screamer, je connais. Oui, salut. Ah, c'est bon, j'ai un truc qui me court après, je peux pas là. Bonjour, allons-y, 5, oui, bonjour Screamer. J'ai pas le temps d'avoir peur des Screamers, je suis en train d'échapper à un truc bizarre. D'ailleurs, il me poursuit. Oui, bonjour. C'est des Screamers qui font vraiment pas peur, hein. Sérieusement. 5 Destiny Box. Ouais, je m'en sors bien, et... Ah, sérieux. On va peut-être prendre moins de temps que prévu. Bah, ok, je suis allé par là. Mais il y a des box partout, là. Destiny Box. Les boîtes de la destinée. Ouais. Ça pue. Donc ouais, je voulais vraiment vous faire un autre jeu, hein, un jeu plus intéressant que ça. Mais il a absolument pas voulu tourner. Hein. C'était un espèce de jeu interactif où il y avait des... Oui, bonjour. Où il y avait des trucs qui apparaissaient dans le dossier du jeu. Hein. C'était un jeu... C'était genre un jeu hanté. Oui, salut. Je fais que passer. Hein. On court toujours après ce truc-là. D'ailleurs, ça me court toujours après, là? Non. Et est-ce qu'il y a quelque chose qui peut me tuer ici ou c'est juste des random screamers à la con? D'ailleurs, je suis paumé là. F pour éteindre la flashlight. J'ai jamais compris à quoi ça pourrait bien servir. Voilà. On court dans l'autre sens. Mais attendez, il y a un endroit où je peux aller là? Non, c'est tout bloqué. Donc j'en suis à 6 Destiny Box. Allons-y. Donc ouais, je voulais vraiment faire un jeu plus intéressant que ça. Hein, parce que c'est typiquement du Slender, mais... Du Slender d'assez mauvaise qualité. Eh hey, mais je peux sauter, peut-être que je peux sauter par-dessus ces trucs. Non. Il y a des bidons par terre. Ouais. Des bidons. Je crois que le monstre qui court apparaît toujours au même endroit en fait. Et là je crois que je suis en train de tourner en rond aussi. Je crois hein. Un petit peu quand même. Il y a un truc qui me court après. J'ai bien envie de me laisser choper pour voir ce que ça fait. D'ailleurs, le jeu ne te laisse pas le choix d'être en very low, hein. D'ailleurs, il n'y a pas besoin, vu qu'il tourne parfaitement. Là, je suis à 60 FPS pour dire à quel point il prend peu de ressources. Mais, je peux duck en dessous de ça. Il y a une box là-bas, il faut que j'y aille. Nickel. Bon, il doit bien y avoir 2 ou 3 screamers qui m'attendent ici. Oui, bonjour. Ah bah, il m'a eu, tiens. Ouais. Ouais. On va peut-être s'arrêter là, hein, parce que... Là, de mon point de vue, bon, je suis peut-être pas un expert en indie horror game, parce que j'en ai fait que 14 jusqu'à maintenant, hein, donc j'ai pas vraiment l'expérience de, par exemple, Willong ou Markiplier, qui en ont fait des centaines, mais je trouve vraiment pas le jeu effrayant. Hein. Sérieux, les bruitages sont assez moyens, les screamers sont... On n'a pas le temps d'avoir peur des screamers, on a un truc qui nous court après. Comment voulez-vous avoir peur des screamers? Vous êtes surtout concentré sur le fait de pas vous faire choper par l'espèce de gros minotaure bizarre. Voilà. Mais bon, si vous voulez l'essayer par vous-même et voir ce qui se passe quand on chope les 15 box, hein, vous pouvez. Moi, personnellement, tout ce que je pense qui va arriver, c'est que le jeu va m'afficher un You Win The End. Hein, mais c'est à peu près tout. Donc voilà, si vous voulez télécharger le jeu, c'est dans la description de la vidéo, allez regarder par vous-même. Mais vous attendez pas à avoir peur parce que ça fait pas énormément peur quand même. Et je le dis parce que je suis une lavette, hein, j'ai tendance à gueuler pour rien.
Donc voilà. N'oubliez pas de laisser un j'aime sur la vidéo, de laisser un commentaire, de vous abonner, d'en parler à vos amis et de partager la vidéo sur vos réseaux sociaux. Ça me ferait énormément plaisir. Sur ce, je crois que je vous ai tout dit. Donc ciao les gens, c'était Nasband pour vous servir. Bye. Et pour ceux qui voudraient me proposer le jeu Labyrinthe, Indie Horror Game, il tourne à 4 FPS sur mon PC, donc ça va pas être possible. Voilà, désolé. Oh, mais deuxième fois que je me prends ce foutu panneau, là. Sérieux, vous avez déjà vu des circuits de Formule 1, comme ça, où on fout des panneaux sur le bord de la route, bien dangereux pour les voitures? Je crois pas, hein, y a que dans les jeux vidéo qu'on trouve ça. J'adore le bruit de la voiture.